On est dans une villa à plus de 10 millions d'euros et aujourd'hui on se retrouve pour un cache-cache les gars, est-ce que vous êtes chaud? On est chaud. Mais ce cache-cache ne va pas se passer comme prévu étant donné que je vais me cacher sous le sable pour essayer de gagner ce cache-cache. C'est facile frérot, c'est Théo qui va compter. Vous avez une minute, 1, 14, 16, 17. La villa est située sur la Palme de Dubaï. C'est une villa vraiment immense avec plus de 7 chambres, une plage privée, une piscine et encore beaucoup de choses à l'intérieur. Il va donc être très difficile pour Théo de nous retrouver. Ok les mecs, je viens d'arriver. Oh salut, tu veux te cacher où mec? Viens, dehors. Attends, il faut que je te montre un truc que j'ai préparé parce que j'ai pas d'urgence. Oh le coucher de soleil! C'est incroyable. Mais le coucher de soleil comme il est trop beau. Mais c'est masterclass frère. Je pose un trou et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre en dessous et je vais aller chercher la table et la mettre en dessous. Tu peux m'aider à mettre la table? Vas-y. Étant donné qu'il y a une plage privée sur la villa, j'ai tout simplement décidé de creuser un trou pour me cacher en dessous de sable. La première étape est de creuser un trou assez gros pour que je puisse me mettre à l'intérieur. La deuxième étape est de ramener une table pour qu'on voit beaucoup moins le trou. Et enfin mettre une serviette sur moi pour qu'il croit que c'est le sol. C'est pas encore caché les gars, je vais leur laisser encore une minute en plus. Parce qu'une minute, le problème c'est regarder la taille de la villa. Une minute frère, une minute. Tu veux qu'ils se cachent où les mecs? Là où ça pose une cachette. Là, là ou là. Ok j'ai une idée. Technique, on va monter au premier étage. Il va arriver, il va voir ça. Avec le soleil tu le tapes dans les yeux. Et ici il y aura juste une serviette, c'est carré. Maintenant j'y vais, ça fait plus de 2 minutes les gars, j'aurais essayé durable. Je suis gentil. Allez, j'arrive. Ils ont fermé la porte. Je suis rentré par le côté, par le garage. Ah, c'est ouvert ici. Oh, oh jamais nous ça. J'arrive. Mais j'y suis déjà allé, je voulais me planquer là-haut. T'es déjà monté là-haut? Oui. J'arrive. À ce moment-là, Brice est parti se cacher avec Unchained à l'intérieur de la villa. Et cette fois-ci, comme par hasard, Brice a eu le courage de monter l'échelle pour se cacher sur le toit de la villa. J'entends parler en haut. Je pense que les gars, je vais commencer par aller en haut. Oh. Tu l'as? Ouais. Salut les gars. On est sur le toit de la maison. T'as vu, j'ai une taille. Les gars, là, on est trop bien, mec. On est sur le toit du monde. On voit le Burj Al Arab tout au bout, juste là. Chambre. Ouh là là, vous voyez la taille des chambres un petit peu. Elles sont beaucoup beaucoup trop grandes. Il y a beaucoup trop de cachettes ici. Ok, RAS. Mec, il faut que je fasse tous les placards. Oh, non. Les placards sont immenses. Sa grande mère. Ça veut dire que quelqu'un peut se cacher là? Est-ce que ça s'est pas mis dans sa chambre? Le petit filou. Ouf, j'ai cru qu'il y a quelqu'un avec les vêtements, c'est ma brain. Ok, on est pas trop mal. Je sens qu'on est un peu. Attends, mais t'inquiète, je vais les mettre juste ici. Je vais les ranger après. C'est parti. Hop là. C'est pas assez large. Oh les gars, mais la vue est incroyable. Je suis enterré sous le sable. T'as pas pris ta cam? Bah je peux pas. Là il s'en va? Je peux pas monter avec ma cam. La vue de baiser les gars. Wow. La vue de malade. On va chercher si quelqu'un s'est évidemment caché. La vue exceptionnelle les gars, regardez. Oh mec, Dachem, où est-ce qu'il est caché? Il y a Dachem. Quoi? Ils sont sur le toit. Quand Unchained et Brice étaient sur le toit et moi sous le sable, j'ai pu les voir de mon trou et on s'est fait des petits coucous. Ils sont cachés là-bas sous le toit. Les gars, ils sont cachés sur le toit de la villa. Moi, je suis enterré sous terre. Le Théo ne va jamais nous trouver. C'est une dinguerie. Terrasse. J'adore faire des plans comme ça. Les filles, voici mon Instagram si vous voulez. Après plusieurs chambres fouillées, Théo commence à soupçonner toutes les personnes qui croisent dans la villa. Désolé. Oh, il y a une petite terrasse. On peut pas aller sous le lit? Bon, Brice, c'est pas que, mais je pense que je vais te laisser là. Mais bon courage, bon courage. Bisous, mec. Tu m'as l'air complice quand même. Alors que le cache-cache avait commencé, Unchained cherchait encore sa cachette. Sans savoir, Théo se rapprocha à très grands pas d'Unchained, ils ont failli accidentellement se retrouver. Mais ça va, Unchained à la dernière minute, il a réussi à s'échapper. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, je le sais. Charles, il a bloqué les rideaux, il s'est barré là. Il s'est barré, c'était ouvert, il a dû fermer. Là, fais-moi voir, là, fais-moi voir. Il y a quelqu'un d'autre, il dénonce. Je te demande même pas où il est, je te demande si t'as vu quelqu'un. Je te jure que je te dirai si j'ai vu. Je te demande personne où il est, je suis pas tricheur. Les gars, faut vraiment que je me planque. Parce que le problème, c'est que là, il y a
un mec qui me voit, il peut appeler les flics et je me fais arrêter, frérot. À Dubaï, les gars, ça rigole hop, ça rigole pas du tout, ok. Je pense juste que je m'assure sur le toit, hein, et puis c'est tout. D'ailleurs, pendant que je suis là, quasiment sous le sol, je vais faire une énorme dédicace à ces trois dernières personnes qui viennent de s'abonner. Suite à la dédicace, frérot. Ah bon, t'as gagné. Tienne et Brice étaient sur le toit, je sais pas comment ils ont fait pour monter sur le toit. Et moi, pour l'instant, je suis plutôt bien. Petite bronzette. Eh, Brice, est-ce que je suis cramé? J'entends pas. Je suis cramé si je fais ça? T'inquiète, mec, rien. Hop, je disparais. Oh, le bâtard, il est trop bien, il s'est mis une petite couette. Oh, il est trop bien, le bâtard. Je vais me cacher sous le lit. Je peux pas aller dessous. Je suis trop large. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, ça partout. Je vais vous filmer, les gars, comment c'est magnifique. Prendre des photos, c'est trop beau. No joke, hein. Je comprends pas, j'ai entendu la voix de Théo. Il a pas ouvert la trappe? Je suis trop bien. T'es les gars, je pense que je vais m'asseoir, je vais juste profiter. On va regarder coucher du soleil ensemble, hein. Ok, il vient de partir. C'est ça, partout. T'as encore vu personne? Tu souris, tu mens. Putain, de bisous. Où? Ici? Ouais. Ici, les gars, on a une cuisine énorme. Et je pense... Je suis sorti dehors. J'ai vu tout le monde. Mais j'ai pas pu aller dessous. Qu'est-ce que je vais faire, les gars? Je vais manger dans le lit. Et je vais dormir ici. Oh, je suis fou. Soudainement, Théo tombe sur Unchained. C'est la catastrophe. Réveille-toi. Je t'ai trouvé, mec. Oh, c'est à la faute de Brice, mec. J'avais la meilleure cachette. J'étais trop gentil, je lui ai laissé. Oui, Brice, donne-moi un indice. Très en haut. Très en haut? Je suis le premier à te trouver. Attends, attends, mais tout à l'heure, c'était toi que j'avais vu. Où ça? T'es allé dans ta chambre et t'es sorti par la terrasse. Et t'es allé dans la chambre à DHM. Putain, oui, je l'avais dit, frère. C'est parti pour voir la pauvre de Brice. Écoutez, ça c'est pour vous. C'était pour vous. Le truc aussi, c'est que j'en ai aucune idée de si Unchained et Brice ont été trouvés, en fait. Il faudrait pas que Théo achète l'un d'entre eux. Donc maintenant, il reste que Brice et moi. Brice est caché sur le toit et moi sous le sable. Et Théo, qui fait des tours de la villa, n'arrive toujours pas à nous retrouver. Alors que Brice avait une super cachette et il était sur le toit de la maison, Unchained, un peu dégoûté d'avoir été éliminé, a donné un indice crucial à Théo pour qu'il le retrouve. Écoute, Charles, il est cave. Charles, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est très en haut. Il m'a pas dit en haut, il m'a dit très en haut. Tiens, Unchained a perdu le cache-cache. C'est une première éliminée. C'est une grande première. Charles ? C'est une première là. Unchained éliminé en premier. Je peux monter où ? Et même Danny n'avait aucune information. Sauf que là, Théo trouve l'échelle pour monter sur le toit. Rien. Non. No way. C'est une dinguerie. Là, il y a un mec ici. Forcément un mec là. Y'a quelqu'un ici ? Je vois tout. Non, je sais pas ce que je peux faire. Regardez dans ce un dôme. Regardez la vue. C'est froid, non? Y'a quelqu'un? Mec, t'as fait exprès? Exprès ? Oui. Bien évidemment que oui. Félicitations, Joe. Tu remercieras ton petit copain Uncharted de t'avoir pour 4. Quoi ? Quoi ? Il m'a dit, un indice, il m'a dit très en haut. Quoi, mes frères ? C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie de... Mais frérot, il a juste dit où est-ce que j'étais. C'est une dinguerie de dire ça. Brice est malheureusement éliminé. Théo n'a plus qu'à me retrouver pour gagner le cache-cache. Et j'ai jusqu'à la tombée de la nuit pour ne pas me faire repérer. Il me reste DHM à trouver. Mec. Bah quoi, y'a quoi? Bah tu vois pas qu'il y a un cumé en dessous le salon? Y'a rien, y'a rien. Tu vois pas qu'il y a totalement un cumé en dessous le salon? Y'a rien. Attends, mais il est en dessous de la table. Tu sais que ça veut dire, j'étais à 2 mètres de lui. Y'a rien, Théo. Apocap toi, qui m'a permis de trouver DHM. Et vous apocap tous les deux. C'est bon. On va se balader à la plage, Théo. On va se balader à la plage. Oh viens, il y a une table et des chaises. Viens, on va s'asseoir. Oh. Viens. Mets-toi en face de moi. Vas-y, vas-y. Ah, attends, c'est très bancal ici. Adversaire, très très fort. Il y a un immense trou en dessous. S'il vous plaît, sir. Morito, s'il vous plaît. Mais genre. Alors, Théo, vous m'avez pas vu? Tu sais d'où je t'ai vu? Ouais. Depuis là-haut. Tu sais qui j'ai trouvé sur le toit? Brice. Brice Bébris. Tu sais comment j'ai trouvé Brice Bébris? Grâce à Unchained qui l'a poucave. Grâce à Unchained, j'ai trouvé Brice et toi. Oh, il est où? Il dort. Ouais, il est en train de dormir. Moi déjà j'ai rien fait, frérot. Hein. Moi j'ai rien fait. Moi j'étais sur le toit. Charles il est ma poucave, il a dit que j'étais sur le toit. Et après en me trouvant il t'a trouvé.
parce qu'il a vu en haut. Bah, j'ai pas assez creusé, mais en fait, si je creusais trop, après vous allez me trouver parce qu'il y aura un énorme trou avant la vidéo. Ouais. Et t'as fait ça quand? Tout à l'heure en cachette avec la pelle qui est à ta droite. Là. Bon. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On peut quand même dire que j'ai gagné le petit cache-cache, comme d'hab. Bah, en fait, comme à chaque fois que tu fais un cache-cache, c'est tandis que tu fais un truc bizarre. Ouais. Non, en vrai, je suis souvent bon dans le cache-cache, à force d'en faire, hein, vous savez, on prend l'expérience. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu à la villa avec les copains. Et je vous dis sur ce, à la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine, les gars.